من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés qui nous guident sans fin sur son droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alameen, nous venons de boucler 12 mois par rapport au calendrier grégorien, chers frères et sœurs, ce qui nous donne 52 vendredis. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu cela en bonne santé. Alors, notre sermon d'aujourd'hui va porter sur un verset qui nous amène à être humbles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissants pour nos géniteurs, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre, dans Surat al-Ahkaf, la Surat 46, au verset 15, « Ba'da'ouzu billahi minash shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, wa wassayna l'insana biwalidayhi ihsana, hamlatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. » وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire ici, nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers son père et sa mère. Sa mère le porte dans la douleur et le met au monde dans la douleur. Et pendant 30 mois, elle endure les fatigues de sa gestation et de son allaitement. Quand il atteint sa maturité à l'âge de 40 ans, c'est en ce moment que l'être humain va dire Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Seigneur, fais que je sois reconnaissant envers toi pour les bienfaits dont tu nous as comblés, moi et mes parents. Et que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agréeras. Fais aussi que ma postérité soit une bonne moralité. Je reviens repentant vers toi et me déclare du nombre des soumis. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'il soit celui qui est le Créateur, qui doit être adoré. Alors c'est lui seul qui peut ordonner. Allah lahul khalq wal amr. Comme c'est lui qui crée, alors c'est lui qui donne des ordres. Il va recommander à l'être humain d'être bienveillant envers ses géniteurs, son père et sa mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait que l'être humain sache que la mère, dans son existence, a un surplus d'efforts à fournir. Elle a consenti un surplus d'efforts par la période de la gestation. C'est elle qui va te porter en son sein, 9 mois durant, souvent voire 10 mois, avant que tu ne viennes dans ce monde. Et le jour qu'elle doit accoucher de toi, elle peut mourir. Et l'accouchement est très pénible, chers frères et sœurs.
Elle va accoucher de toi. Elle va t'allaiter. Dieu va changer son sang en lait. Et c'est avec ça qu'elle va te nourrir pour que tu deviennes quelqu'un. Subhanallah. Donc la mère a plus de droits encore que le père, chers frères et sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait que l'être humain n'oublie pas d'être bienveillant envers ses parents. Il ne faut pas les désobéir. Il ne faut pas les vilipender. Il ne faut pas les minimiser. Et il ne faut pas avoir honte d'eux. Parce que cela arrive à certaines personnes. Il a honte que ses parents ne soient pas lettrés. Mais toi, ils t'ont scolarisé. Ils ont payé tes études pour que tu sois ce que tu es. Donc, il ne faut pas avoir honte d'eux. Alors, Dieu te recommande d'être humble vis-à-vis d'eux, d'être à leur écoute. Tout ce qu'ils vont demander, si c'est conforme aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'en acquitter, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fini de recommander cela, il va aller plus loin dans ce verset en nous disant, lorsque l'être humain va atteindre la maturité, et Dieu va définir cela en disant, « وَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً » lorsqu'il atteint les 40 ans et qu'il est mature, alors il va faire une prière. Est-ce que nous pouvons connaître cette prière si Dieu ne nous donne pas cette prière? Subhanallah. Donc c'est pour dire que c'est à 40 ans que Dieu choisit la majorité des messagers pour les envoyer vers les gens. Parce qu'en ce moment, ils ont atteint la plénitude de la maturité. Dieu dit à 40 ans, voilà la prière que l'être humain il va commencer à faire parce qu'il va méditer et il va trouver qu'il doit prier et rendre grâce à son Seigneur. Et comment rendre grâce à Dieu? C'est le Coran qui va nous l'apprendre ici. Il va dire, « Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. » Alors, il va dire, « Seigneur, je te demande de me guider à être reconnaissant pour tes bienfaits qui sont innombrables, que tu as fait pour moi et mes géniteurs. Les bienfaits d'Allah pour nous d'abord, chers frères et sœurs. Dieu a voulu que tes parents te donnent naissance dans la légalité, dans ce qui est licite, qui est le mariage. Ça, c'est ton premier droit. Tes parents te l'ont accordé parce que tu aurais pu venir dans ce qui pourrait te vexer, qui est que tu naisses sans que ça ne soit dans le cadre du mariage. Donc ton premier droit, tes parents te l'ont donné. C'est pourquoi tu dois être bienveillant envers eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu aussi qu'ils soient des croyants, des gens qui reconnaissent que Allah, il est l'unique, il est celui qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté et qui n'a pas de semblable. Donc le fait d'avoir les géniteurs musulmans, wallahi, ça c'est un bienfait d'Allah que l'être humain ne peut pas finir de remercier. Le fait que ton père et ta mère soient des croyants, ça c'est une grâce que Dieu accorde à qui il veut. Parce que combien de gens qui vont venir et qui ne verront pas cette chance-là. Souvent, il y a des gens qui naissent, ils naissent avec des parents qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré des disciples du prophète avec ce bonheur. Comme Abu Bakr Siddiq, son père et sa mère, ils ont vu le prophète, ils ont accepté l'islam. Et ils vont donner naissance à un enfant qui sera le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi d'autres vont dire,
que ce verset-là même a été révélé à cause d'Abou Bakr Siddiq. Et nous aussi, on peut dire que ça a été révélé à cause de nous. Lorsque tu atteins tes 40 ans, tu médites, alors tu rends grâce à Dieu. C'est ce que ce verset nous dit ici. Tu vas dire, Seigneur, amène-moi à être reconnaissant pour les bienfaits que tu as fait pour mes géniteurs ainsi que moi-même, le fait de nous avoir fait musulmans. Wallah, et quand tu es musulman, tu sais pourquoi on t'a créé. Tu sais que cette vie de dunya est éphémère. Elle va finir un jour. Et donc, c'est le croyant qui sait pourquoi il a été créé. Il sait que cette vie est pleine d'épreuves, mais il ne va pas perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois qu'il est éprouvé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Simplement, c'est pour expier certains péchés. C'est pour l'amener à retourner toujours à son Créateur. Alors que d'autres, quand ils ont des épreuves, ils vont cacher leur amertume dans la boisson alcoolisée. Et souvent, ils sont errants. Ils peuvent aller un peu partout. Les vendeurs d'illusions vont faire de ce qu'ils veulent. Mais le croyant, chaque fois qu'il est éprouvé, alors il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ici, à 40 ans, l'être humain croyant retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il lui rend grâce. On doit savoir, chers frères et sœurs, que la plénitude et la constance de l'aisance que nous avons dans notre existence sont conditionnées par la reconnaissance envers Allah. Donc, pour que tu sois dans l'aisance, il faut que tu reconnaisses que l'aisance vient de Dieu. Pour que tu sois croyant, tu dois reconnaître que cela aussi est une grâce d'Allah. Ce n'est pas parce que toi-même tu as voulu que tu es venu de géniteur croyant. Donc, avoir des géniteurs croyants, être en état d'aisance, tout cela dépend de Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton créateur. Alors, dans cette bénédiction ici, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à être des gens qui ne vont pas oublier cela. Parce que l'islam est la religion de tous les messagers. Quand on dit islam, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu acceptes ce que Dieu aura prescrit. Tu t'éloignes de ce qu'il a interdit. Alors, il va aller un peu plus loin. L'être humain, quand il va dire « Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. » Alors il va dire « Seigneur, aide-moi à œuvrer aussi dans le sens que tu as agréé. » Pour que tu puisses prier, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la prière facile pour toi. Jusqu'ici, il y a d'autres qui refutent la prière, ou il y a d'autres qui s'y adonnent nonchalamment. Si tu peux gêner, c'est parce que Dieu a rendu cela facile pour toi. S'il t'a donné des biens, allez les regarder entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et t'as quitté de la zakat. C'est Dieu qui le rend facile pour ton cœur. Et tu sais que quand tu vas donner ta zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te nourrir. Parce que quand il te donne l'argent, c'est fait souvent à l'insu des gens. Mais tu es le seul à connaître ce qui se trouve dans ton épargne. Et t'acquitter de ta zakat avec facilité, sans orgueil, cela vient d'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Parce que combien de gens qui sont des milliardaires sur terre, qui ne reconnaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui pensent qu'ils sont libres de faire de leur richesse ce qu'ils veulent. Alors que toi, tu sais que Dieu m'a éprouvé avec la richesse. Il a éprouvé d'autres avec la pauvreté. Et donc ici,
tu vas encore demander dans cette doua à Dieu de faciliter pour toi ce qui plaît à Dieu lui-même. Donc tout ce que Dieu va ordonner, tu lui demandes, Seigneur, facilite-moi à mettre en application tout ce que tu vas me recommander. Donc c'est une grande doua, chers frères et sœurs. Waslihni fi dhurriyyati. Seigneur, je te demande d'améliorer pour moi, de me donner une bonne postérité. Donne-moi de bonnes progénitures, parce que lorsque je ne serai plus de ce dunya, ce sont mes enfants qui seront les reflets de mon honneur, de ma dignité. Quand tu n'es plus, lorsqu'on voit ton fils ou ta fille, lorsqu'elle pratique l'islam correctement, les gens vont dire, cela ne me surprend pas, parce que tes géniteurs étaient de bons croyants. Comme le prophète l'a dit, tout le monde naît dans la fitra, c'est-à-dire c'est la nature, mais ce sont les géniteurs qui vont transformer l'homme en juif ou en chrétien ou en adorateur de feu ou en bon musulman. Donc le géniteur ou les géniteurs doivent à tout moment être soucieux de la qualité des enfants qui seront après eux. C'est pourquoi tous les messagers et prophètes, de leur existence, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner une bonne progéniture. Sayyidina Ibrahim l'a dit, comme tous les autres. Donc, Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u ad-du'a. Zacharie arrive à dire cela. Et Dieu lui-même va dire, ceux qui auront l'habitude de dire, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ceux-là sont parmi les gens que Dieu apprécie. Ceux qui savent que lorsque je vais laisser la bonne progéniture, ce sont ceux-là qui vont garder mon nom. Le nom de famille est préservé par la bonne progéniture qu'on laisse derrière. On doit prier pour nos progénitures, chers frères et sœurs, parce qu'ils vont garder notre nom derrière nous. Et par la grâce de Dieu, lorsque on sera à l'au-delà, les familles seront réunies au paradis aussi, chers frères et sœurs. Et donc, ton souhait est que tout ce que tu as eu comme progéniture, qu'il reste sur cette voie et qu'il vienne le jour de la résurrection, des gens soumis à Dieu, afin que vous entriez dans le même paradis, chers frères et sœurs. C'est pourquoi ça doit être ton souci. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une bonne progéniture, ne te vante pas de cela. Ne sois pas orgueilleux. Continue de prier pour eux. Parce que combien de gens qui étaient sur la bonne voie et qui peuvent dévier. Et donc ne désespère pas lorsque tu vois que l'enfant n'a pas encore suivi la route que tu as tracée pour lui. Malgré tes conseils, continue de prier à son insu. Combien de fois on a vu des parents mourir et à leur mort, Dieu il produit le déclic et l'enfant revient à la raison et il suit la voie qu'est l'islam. Il commence à pleurer parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de peine à ses géniteurs qui sont partis. Devant eux, il n'a pas embrassé l'islam correctement. Il n'a pas pratiqué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu, souvent, il réalise tes vœux, même quand tu te trouves dans la tombe. Donc, c'est pourquoi, dans cette doua, on demande à Dieu, Waslihli fi dhurriyyati, Seigneur, procure-moi une bonne postérité, de bons enfants qui seront après moi et qui vont faire des doigts pour moi lorsque je serai dans ma vie tombale. C'est tellement profitable lorsque ces enfants-là, ils vont adorer Dieu par la prière, le jeûne, le pèlerinage. Dieu leur donne la récompense et il t'accorde la même récompense parce que tu es leur éducateur, leur géniteur. Tu es celui qui a montré cette voie, chers frères et sœurs.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer en disant wa inni tubtu ilayk. Dans cette doua, tu reviens humble devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas dire: Seigneur, je viens vers toi repentant. Je ne suis que pécheur. C'est comme la circonstance s'y prête. Dieu nous a permis de voir 2018. Aujourd'hui est le premier vendredi de l'année 2019. Seigneur, je sais que je n'ai pas été parfait dans l'année passée. J'ai commis des péchés. Tu m'as accordé combien de bienfaits dont je n'ai pas été reconnaissant. Alors Seigneur, pardonne-moi pour mes manquements, pour mes erreurs, pour ce que j'ai commis comme péché sciemment et d'autre par inadvertance. Seigneur, pardonne-moi. Dieu aime ceux qui savent lui parler intimement. Il faut s'habituer à le faire, chers frères et sœurs. Ici, dans cette doua, c'est comme Dieu est en train de nous montrer comment se prendre avec lui. Quand tu dis « Inni tubtu ilayk », Seigneur, moi je reviens vers toi. Je suis quelqu'un qui est pécheur. Je reviens vers toi. Lors de l'année 2018, combien de péchés j'ai commis que j'ai déjà oublié, alors que tout est enregistré. Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça qu'on doit commencer un nouvel an. On ne commence pas le nouvel an en dansant, en buvant l'alcool, en commettant l'adultère, comme on voit d'autres le faire. Ils sont même encouragés là-dedans. L'homme doit pouvoir faire une rétrospective de sa vie et remercier le Tout-Puissant. Parce que combien de gens qui se retrouvent dans la tombe, ce n'est pas le cas pour toi. Combien de gens qui sont alités dans les hôpitaux, ce n'est pas le cas pour toi. Combien de gens qui ont quémandé leur nourriture toute l'année 2018, ça n'a pas été le cas pour toi. Est-ce que tu t'es mis en cause un peu et tu es revenu vers Dieu pour lui dire: Seigneur, pardonne-moi. Donc, on peut souhaiter la bonne année à quelqu'un, qu'il soit musulman ou pas, parce qu'une bonne année, bien sûr, c'est 12 mois que nous avons vu et qui s'est écoulé. Et donc, on a mis le compteur à zéro. Alors, il faut que tu sois capable de reconnaître que tu as vu 12 mois avec tes yeux, avec ton existence, en bonne santé. Et donc, reviens quand même vers ton Seigneur et lui dire simplement: Seigneur, pardonne-moi. Dieu aime ceux qui savent se mettre en cause et qui demandent son pardon. Donc, qu'Allah nous amène à nous repentir, chers frères et sœurs. Et il va achever en disant: wa inni min al-muslimin, je suis aussi parmi ceux qui se sont soumis à ta volonté. Donc, être musulman veut dire: je suis soumis à la volonté de Dieu. J'accepte Allah comme mon créateur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme mon messager. L'islam, je l'agrée comme ma religion. Wallahi, si c'est sincère dans ton cœur, lorsque tu vas entrer dans ta tombe et que Munkir wa Nakir viendront pour te poser ces différentes questions, tu vas les répondre facilement. Donc, dans cette doua, tu es en train de dire en toi et Dieu: Seigneur, moi je suis parmi les gens qui sont soumis à ta volonté. C'est ce qu'il dit le musulman. Tout ce que tu auras fait en bien, je te rends grâce. Je ne me vante pas avec ce que j'ai eu comme bonheur dans l'année écoulée. Et tout ce que moi j'ai trouvé dur, qui a été une épreuve dure pour moi, je sais que c'était pour voir est-ce que j'allais aller voir un prestidigitateur, un charlatan, ou bien j'allais revenir vers toi et reconnaître ton unicité, demander ton appui. Alors Seigneur, moi je suis parmi ceux qui reviennent vers toi et qui sont humbles devant toi, qui savent que tu es l'unique et que c'est toi seul que nous devons invoquer. C'est pourquoi il va nous dire quelque part d'autre dans le livre: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit, ma prière, ma dévotion, mes sacrifices, ma vie et ma mort ne dépendent que de Allah, le Seigneur des mondes. C'est ce que Dieu me recommande partout où je serai. Donc je ne prierai que pour Allah. Si je dois faire des sacrifices, ça doit être conforme avec ce que Dieu a recommandé de faire comme sacrifice et de la bonne manière. Ma vie ne m'appartient pas. Et si je dois mourir et quitter cette dunya, personne ne peut me tuer, personne ne peut prendre ma vie. Ma mort dépend aussi de Dieu. Et je suis croyant parce que je sais que Dieu est le créateur de tous les mondes que nous voyons et que nous ne voyons pas avec les yeux. Et je me proclame même être le premier des croyants. C'est ce qui a été dit au prophète de le dire. Alors tous ceux qu'il accepte comme messager doivent aussi prendre cette voie, chers frères et sœurs, pour vous dire que ça c'est une grande doa que l'on doit pouvoir réciter au début d'un nouvel an. Chaque matin, ça doit se retrouver dans votre prière. Cette doa, elle est tellement sublime, importante, que c'est venu deux fois dans le Coran, chers frères et sœurs. Le roi Salomon va faire cette doa aussi lorsqu'il va voir qu'une fourmi était en train d'inciter les autres à vite entrer dans leur queue pour ne pas que Salomon et son armée viennent les écraser. Une fourmi qui était en train de parler aux autres fourmis, Dieu lui a laissé entendre cela. Et donc, lui, il va profiter pour prendre cette doa en disant « Rabbi, auzi'ni » أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Alors lui, il va dire وادخلني من الصالحين. Seigneur, fasse que je sois parmi tes pieux serviteurs. Donc deux fois consécutivement, Dieu va utiliser cette doa, chers frères et sœurs, dans le Coran, pour vous dire que cette invocation, elle est sublime. On doit tout faire pour la mémoriser et la répéter souvent. Et surtout au début d'un nouvel an. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Brothers and sisters, our topic today is